coup sur coup, nos filières ont subi 2020-2021 la crise Covid. Et puis est arrivé, bien évidemment, ce que tout le monde sait, la guerre d'Ukraine en février, ce qui a généré de nouveau encore de l'inflation sur nos intrants. Par conséquent, il y a un risque désormais majeur pour la disparition à la fois de planteurs, à la fois d'éleveurs, agriculteurs. Et donc là, nous avons à faire remonter un certain nombre de chiffres pour que ensuite la collectivité puisse étudier à quelle hauteur elle puisse intervenir. Nous sortons de cette réunion avec deux points. Donc l'idée d'avoir avec la région une mesure d'urgence d'ici la fin de l'année pour aider et accompagner les exploitants pour faire face au surcoût de production. Et l'idée aussi de construire avec eux sur le plus long terme des moyens permettant de lisser toutes ces difficultés et de trouver ensemble des outils qui, à l'avenir, permettront de faire face à des difficultés du même type. Les propositions ont été faites sur les intrants, sur les surcoûts de production des intrants qui arrivent maintenant là, mais aussi de pouvoir mettre en place des producteurs locaux sur les engrais fertilisants et sur les engrais azotés qu'utilisent ces producteurs. Donc, il était important pour la région de rencontrer tous les producteurs pour pouvoir effectivement voir dans quelle mesure et sur quel levier qu'on peut jouer pour pouvoir quand même garder la tête hors de l'eau concernant l'économie de la Guadeloupe, concernant les producteurs, pour maintenir à flot cette économie.